frustration, ça fait 15 ans que je fais de la moto, j'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Mais là, c'est juste magique, quoi. Tu te crois dans un film mixé avec du jeu vidéo, des dessins animés, Michel Vaillant, enfin, voilà, le pied, vraiment le pied. Ce qui est optimal ici, c'est qu'on a deux formats de courses, des courses sprint de 30 minutes ou des courses d'endurance de 6 heures. Ça permet vraiment d'optimiser le temps de roulage sur un week-end. Avec la même moto, on peut faire les deux compétitions. On arrive à prendre des vitesses sympas, à faire des belles bagarres avec un coût de fonctionnement vraiment, vraiment raisonnable. De rouler en pneus de série et tout, c'est vraiment une bonne idée. On met des freins de l'essence et on peut s'amuser, donc c'est vraiment accessible à tous. Le principe est vraiment intéressant, on a tous les mêmes voitures et ça se sent. Et du plus il y a de monde, plus c'est agréable de rouler et plus on prend notre pied également. Ce que l'on peut surtout constater, c'est le sourire. Le sourire sur les visages des pilotes qui, lorsqu'ils descendent de voiture après un relais, vraiment font part de leurs impressions et de leur exaltation à tenter de piloter cette voiture aux limites. Une ambiance très familiale. En fait, on a vraiment l'impression que les rencontres Peugeot, c'est toute une grande famille, des petites équipes, des barbecues le samedi midi. Vraiment, tout le monde est là à la bonne franquette, je dirais, dans un esprit très convivial. On se tire la bourre en course, mais vraiment avec le plus grand respect. Ça nous amène à des bagarres musclées, mais sportives. Et du coup, c'est encore une fois un max de plaisir. On passe ici de très bons week-ends. Tout le monde s'entend bien. Et la bagarre est sur la piste et pendant les stands. Les stands, on fait la fête tous ensemble. Donc en un mot, je dirais du fun.